Et salut tout le monde! Comment ça va bien? On se retrouve dans l'épisode 5. Alors, comme promis, j'ai fait du off. Le problème, c'est que le off, je l'ai fait il y a quelques jours, donc je vais essayer de me rappeler tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai lu beaucoup de bouquins. Comme vous pouvez en attester ici, j'ai gagné un point de menuiserie parce que j'ai coupé pas mal de bois, j'ai débité pas mal de planches que j'ai dû foutre sur le toit notamment. Il me semble. Ouais, j'ai pas mal de planches sur le toit là, comme on peut le voir. Donc on continuera tout ça. Niveau agriculture, j'ai ramassé des trucs qui étaient prêts. Je crois que j'ai ramassé des radis, des choses comme ça. Et j'ai tout replanté. Donc ça, c'est fait. Il est triste, mais je crois que c'est parce que j'ai mangé les trucs qui avaient de la dépression l'autre fois, donc c'est pas foufou. J'ai coupé quelques buissons ici, un peu à droite à gauche pour faire un peu place nette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rangé pas mal de trucs. Donc niveau bouquin, j'ai lu le. Vu que j'ai pris le talent, donc c'était cool, j'ai lu le suivant, vu qu'on n'avait pas ceux des nuls. Ici, donc ça c'est lu. Ah non, il est. Si, il est lu. Celui-là, il est lu. Ça, c'est lu. Je crois que j'ai même lu celui d'après, mais j'ai un doute. Il faudra que je vérifie. J'ai lu aussi la mécanique. Comme ça, on pourra lire, mais on pourra faire un peu de mécanique. Ça sera pas mal. Alors, attendez, je vais juste vérifier. Je crois que intermédiaire. Voilà, l'intermédiaire, il est lu complètement. Il faudra juste, en fait, quand j'aurai pris le point, normalement, il me dira que j'ai rien du tout. Il faudra juste que je le relise un coup et ça me mettra tout le bonus normalement. Voilà, donc on avait pas mal de choux la dernière fois et tout qui sont déjà morts. Les carottes là sont presque mortes. Donc il ne nous reste pas grand-chose en fin de compte. Ça s'est vite périmé, je trouve. Donc on va se créer un petit plat vite fait avec les pommes de terre qui sont pas fraîches. Et avec les carottes qui sont pas fraîches. Ah bah tiens. Hop là, un point de plus. On prend. Pommes de terre. Into carottes qui sont pas fraîches. Hop. Hop. Merde, j'ai mis les fraîches. Carottes qui sont pas fraîches. Ah, du coup, il veut pas. Hop. Carottes pas fraîches. Voilà. Voilà, on va juste faire ça. Ça sera un bon petit plat. On va se le faire cuire après. Hop. Quoique là il a plus la dépression, on peut le manger comme ça, on peut le manger cru, hein, mais bon. Donc on va dormir. Alors je sais plus combien de jours ça fait. On est le 31-8. J'ai pas regardé dans le 1er septembre même d'ailleurs. J'ai pas regardé dans l'épisode précédent quand est-ce que je m'étais arrêté. Mais il y a plusieurs jours qui sont passés, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc super. J'ai pas fait le point sur les livres. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Donc on a l'intermédiaire. Il nous manque l'avancée sur l'agriculture. Ça on a tout. Ça on a tout. Bon sauf le maître, on s'en fout un peu. Là il va nous manquer l'avancée aussi. Menuiserie avancée. Ça c'est bon. La recherche. De toute façon, on compte pas trop le faire donc on s'en fout. Ça c'est bon. Et ça il nous manque les nuls. Mais je crois qu'il est dehors. Voilà. Donc ça va encore en fait au niveau bouquin. C'est surtout ouais, la menuiserie avancée qui va nous manquer. Agriculture. Travail des métaux. J'avais pas le travail des métaux, nul. C'est nul. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, faut qu'on trouve le travail des métaux pour les nuls surtout et la menuiserie avancée et on sera pas mal. Ok, alors est-ce que j'ai des trucs dans les pièges? Non. J'ai plus d'appât. Alors est-ce qu'il me reste des vers de terre? C'est la question qu'on se pose tous. Non. Bon, plus de vers de terre non plus. Ça c'est où? Ça c'est prêt à récolter. Mais c'est pas encore en graines. Ça, tant que c'est pas à récolter, ce sera pas en graines. Enfin, de toute façon, dès que ça sera à récolter, c'est en graines, quoi. C'est quoi? Ah oui, j'ai mis des fraises aussi. Hein. J'ai mis deux fraises, là, on verra. Ok.
Bon, allez, c'est parti. Ce que je vais faire tout de suite, du coup, je vais aller à l'école. J'ai vu qu'à l'école, il y avait des bibliothèques. Donc, on va faire ça. Donc, les graines là. La rémoulade qui est pourrie, on va la foutre là-dedans. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un peu de compost. Oh, vous voyez, ça fait un petit tas de terre. Il est à 12%. Donc, peut-être qu'on en reprendra. On en mettra peut-être un peu sur nos plantes, on verra. On fera ça plus tard. Boîte de clous, je vais la ranger. Hop. Marteau, on va le mettre là. De toute façon, il est déjà dedans. Le vinaigre, je sais pas pourquoi je me trimballe avec ça. Faut qu'on s'allège un peu quand même. Ça, c'est toujours frais d'ailleurs, donc ça va. C'est les bocaux qu'on avait fait avec l'autre perso. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Ah oui, c'est des petits radis. Hein. Les petites friandises. Voilà. Allez, allons à l'école. On va faire un petit tour, on va essayer de choper les bouquins qui nous manquent. Pourquoi ça fait des petits bugs comme ça? Ah oui, j'ai rebarricadé aussi les fenêtres hein, qui étaient pétées. Je me souviens un peu au fur et à mesure de ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi ça fait une deuxième barre verte quand il grimpe ou quand il sort. Vous voyez là, c'est plein de petites barres vertes, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est du lag ou... Je sais pas. Bizarre. Bon. Direction l'école, il y a une école un peu plus bas. On va aller voir un petit peu ce qui s'y trame. Tranquillement, mais sûrement. Voilà, là, 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 là. Le bon petit lag qui va bien. Après, j'aurai un autre PC, donc ça ira beaucoup mieux. Mais je l'ai pas encore. Je sais pas d'ailleurs, au niveau de la sauvegarde de Project Zomboid, comment ça se passe. Si on peut les récupérer, ben, on doit pouvoir, je pense, mais. Ouais, je regarde tout ça. Ok, on va se mettre par là. Je crois qu'on n'est jamais allé encore dans la... dans l'école. Je crois pas qu'on l'ait faite. Ah, j'ai mon couteau de combat, au fait. J'ai pas fait gaffe. Je vais reprendre des bons vieux couteaux à beurre. D'ailleurs, je sais pas où ils sont, mes couteaux à beurre. Je l'ai peut-être mis dans un autre sac. Parce qu'en fait, j'ai transporté des bûches. Ah oui, je m'en souviens. Je transportais des bûches et j'avais plus de place. Donc, du coup, j'ai foutu les couteaux à beurre ailleurs. Pour avoir plus de place. Elle est plus rapide, elle? Non. Pas plus que ça. Pas tomber toi en même temps que ton pote, ça m'arrangerait. C'est bon. Et John Bobby hein. Alors j'ai perdu un peu de poids, je sais pas si vous avez vu. Donc ça c'est cool, je suis à 92. Je commence enfin à perdre du poids. De façon un peu plus... Je sais pas comment on enlève la tristesse. Mais je perds du poids un peu plus facilement là, j'ai l'impression. En même temps j'ai fait pas mal d'exercices à couper du bois et tout ça. Je pense que ça y joue. Ah la clé. Un petit taxi là. Ah. Taxi qui a pas d'essence. 28 à l'arrière, ouais. 28 donc plus 60. Ça nous fait donc 88. Je sais plus combien il est à le nôtre. Oula. Oh, il est bien fracassé quand même.
Il est quand même bien fracasse ce machin. Bon. Ok. Mais ça peut être des bagnoles un peu à démonter, tout ça. 23 en coffre, c'est pas foufou. C'est fermé. On va voir si dans l'école il n'y a pas les clés, on sait jamais. On se rappelle que j'ai tendance à toujours péter les fenêtres et à trouver les clés par la suite. Donc là, on va pas faire le con. Ah oui, donc je mets couteau, c'est ça que je voulais faire. Mes couteaux, mes couteaux. Là, ils sont là. Hop. Tout mettre dans le même sac là. J'ai 10 couteaux à verre. Tu m'étonnes que j'étais lourd. Je suis à 12, 12 en place. C'est pas fou. Alors. Alors, ce qui se trame là-dedans. On va commencer par lui. Allez. Lâche ça, toi. En même temps, il avait des vitamines sur lui, c'est pour ça qu'il était excité. Ouais. Rien d'intéressant. Ce qu'on a de beau là. Journal. On a, ouais. Rien de fou. Morceau de papier, mais on a ce qu'il faut pour l'instant. Alors, ça a l'air assez calme en fait, hein. On sait qu'il y aura un peu plus de monde là-dedans, mais non. Des sodas, pourquoi pas. Ça se périme pas, on prend. Ouais, c'est vraiment calme. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça ouvre les portes au cas où elles soient fermées. Je crois que les bibliothèques sont par là. Ouais, elles sont là, les bibliothèques. Ok. On va aller voir ça. Petit zombard qui traîne. Écouteur, je prends. Je sais plus quelle porte-clé est acquis. Ah, ça c'est mon ancien. Peut-être que je transfère les clés dans l'autre, quand même. On verra. Après, ça pèse de rien de toute façon, je crois, le porte-clé. En fait, dans les bâtiments, on voit pas grand-chose. Hein. Ok, alors, livre. Livre, livre. Ah, j'ai pas lu les recettes comme un teubé non plus. Ah si, j'ai peut-être pas tout lu. Ça, on les a. Hein. Si, je les ai lus, alors peut-être que je l'avais plus en fait, celle-là. En vrai. Je crois que je les ai toutes lues, les recettes. Donc, ce qui me manque, c'est celle que je n'ai pas. Ok. Donc, ça, non. Ça, on s'en fout. T'es que dalle, là, non? La menuiserie pour les nuls, bah, elle était là. Ouais, l'agriculture pour les nuls, il était là aussi. On aurait dû venir ici plus tôt. Pêche, bon. Ok. Là. N'avais pas lu ceci. Écoutez, on va lire. Ah, je n'ai rien trouvé là-dedans, je sens. Je le sens, je le sens. Ouais. Ouais. Pas glorieux tout ça. Pas glorieux du tout. Que dalle. Est-ce qu'il n'y a pas encore des livres là? Pas vraiment. Non, que dalle. Que dalle, que dalle. On se prend une petite gomme en plus au cas où. Ça se refuse pas les gommes. Bon ben ouais. Pas fou tout ça. Ok, on va regarder vite fait dans les casiers. Rien d'intéressant. Et dans ceux-là.
Donc short comics. Ennui, stress, dépression. Alors, lis, mon petit. Ennui, stress, dépression. Ah ben voilà. Ah. Il est plus triste. Le petit. Génial. D'ailleurs, il me semble que j'ai démonté les trucs aussi. Non? Ah non, j'ai rien dit. Je croyais que j'avais démonté les trucs, mais non. Ça, je l'ai pas encore fait. Ça, c'est bien, du coup. Ça m'intéresse. L'autre porte, elle est ouverte, madame. Madame. Ah oui, je peux pas sortir par là en fait. Faut que je ressorte par là. Il y a le grillage qui me gêne. Ok, bon. On s'en va. On s'en va, on s'en va. Et ce qu'on va faire, écoutez, on va aller chercher un générateur. Je voulais absolument voir s'il y avait un bouquin, mais bon. Il n'y en a pas. Donc on va chercher un générateur. On va retourner là où on était avant. Dans les tout premiers épisodes de ma première saison. On avait chopé, comment dire, des containers, et dedans il y avait, je me souviens qu'il y avait un générateur ou deux. Donc dans l'idéal 2, ça serait bien, mais de toute façon je pense que je peux en prendre qu'un par un. Donc ouais, ah, il y a des petits cabanons aussi. Hein. Ah, je visite de toute façon un peu toutes ces maisons, hein. J'ai pas fait ça encore. Non, je peux continuer par là en fait. Hop là, petit dérapage. Allez, on va chercher un générateur. Comme ça, on va mettre de l'électricité tout de suite au niveau du au niveau de la station service. Personne ne tape chez moi, c'est bien. Ok. Allez, en avant toute. Je crois que c'est à gauche là. Hop. C'est parti. Allons-y, allons-y. Allons-y gaiement. Voilà, je commence en friche. Avant, il n'y avait pas un brin d'herbe, je crois, là-dedans. Je crois qu'il y a des taxis ou des trucs là, qui sont explosés par là. Au moment que je suis pas repassé, je me souviens plus, ouais, c'est ça. Voilà. Je me méfie des buissons. Ça, c'est un arbre, ça, non? C'est pas un arbre, ça? Ouais, ça a l'air d'aller. Je me méfie des tout petits machins comme ça. Des fois, ça te stoppe net ta bagnole. T'as pas compris ce qui t'est arrivé, quoi. Tu comprends pas ce qui se passe. Alors, voilà. Alors, je crois qu'il y a une route un peu plus haut, non? Si je me souviens bien. Chaque fois que je reprends la route là, c'est par là, je crois. Ah, c'est là. Eh bien, donc c'est bien revenu par ici. Hein. Ça nous rappelle des bons souvenirs, des longues nuits à clean la zone, dû à une sacrée alarme. Nous revoilà. Des longs épisodes à détruire des caisses. Au moins, on a plus à faire tout ça. Voilà. Jean Maury ici est mort. Bon, apparemment rien de spécial.
Et je me rappelle qu'ils longeaient tous la... Ils ont tendance à longer les grillages comme ça, j'ai l'impression. Oh, il est pressé, lui. Allez, viens. Alphonse Brown. Ouais. Alors je sais plus si c'était dans cela ou dans cela. On va refaire un tour par là. Alors, on va se méfier parce que... Ah, des graines. Je vais vérifier si j'ai pas raté un truc ou deux. Le colle à bois. J'étais pas venu ici ou quoi? Ouais, je prenais pas Itoki à l'époque. Donc du coup... Je suis pas venu hein, ce truc là. Ça me paraît bizarre que j'ai pas ramassé ça. La colle à bois, j'ai un permis pour ça. Ok. Donc là, y a rien. On va se méfier qu'il n'y ait pas de zombies. Là, il n'y en a pas. Là non plus. Alors, j'ai vite fait refaire un petit tour dans les caisses. Hein. Si j'ai oublié des toki et tout, ouais. Ça, je prends ça. Les petites plaques et tout, on va laisser pour l'instant. On s'en occupera plus tard. Un petit jerrycan d'essence, on a ce qu'il faut. Hein. En fait, c'est exactement la même chose qu'il y a dans les deux. Batte de baseball et des plantoirs. Ah, des belles plaques en métal aussi quand même. On va reprendre une ou deux. Histoire de... ah oui. Il me semblait bien que j'entendais le bruit dans le bâtiment. Ok. Là, il n'y a rien. Ici. Jerrycan d'essence, petite plaque. Bon, on sait qu'il y a des jerrycans encore au cas où. Ah oui, il y avait un beau petit casier aussi. Hein. Mais bon, vu que je suis une quiche en menuiserie pour l'instant, on va pas le prendre. Ah, générateur. 0, 100%. Super. Oh, Vladin. Ok. Bon, bah super, on va prendre celui-là. Alors, prendre... Non, c'est prendre comme ça. Donc là, il l'a à deux mains. Mais c'est la seule façon de le prendre. Je peux pas le mettre dans un container, normalement. Donc ça veut dire que si j'essaie... De toute façon, j'ai plus de place, mais bon. Si j'essaie de le mettre sur un siège ou quoi, ça marche pas, je crois. Je vais essayer quand même. Générateur là. Non, on peut pas. Oh oui, c'est ça. Faut le garder dans les mains, donc on n'a pas le choix. Allez, on va se ramener ça. Ouais. Ah. Super. Donc ça, ça sera pour la station service. Mais il faudra qu'on revienne en chercher un autre. J'aurais peut-être dû regarder si on n'avait pas un autre déjà tout de suite, mais c'est pas grave. Alors, placé. Non, c'est pas placé du coup. Faut juste que je le pose, je crois. On va le mettre près de la du poteau là. Voilà. Du coup, on va le brancher. Et il faut que j'aille chercher un peu d'essence. Alors, on va se manger un quart de ça. Voilà. Comme ça, on aura réactivé notre petite pompe.
Ce qui est plutôt pas mal. Laisse tourner le moteur, Maurice. Voilà. Il y a un truc que je me demandais, je vais regarder ça après. Je crois que j'ai un sac, non? Je vais ramasser un sac. Ah, mais il faut peut-être une pelle aussi. J'ai un truc à regarder vite fait. Avant tout. Pelle. Est-ce que je peux prendre ça? C'est du gravier, ça, non? Je vais même pas prendre la terre. Ah, c'est parce que j'ai pas mis un nier. J'ai mis la pelle là comme un teubé. Voilà. Prendre de la terre. Prendre du gravier. Ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est cool. Parce que ça, on en trouve un peu partout. Je crois qu'en bas, d'ailleurs, il y a un petit chemin comme ça. Je pense que j'en prendrai. Et j'en mettrai ici, comme j'avais dit. Devant. Pour éviter, je sais pas si l'herbe, enfin si les arbres poussent dessus. J'ai pas l'impression. Ouais, ça, je ferai ça tout à l'heure peut-être. Les jerrycans. Jerrycan d'essence. On va en prendre un. Voilà. Mon sac en secondaire. Hop. On va se prendre les jerrycans qui sont vides. Tant qu'à faire, ceux-là sont tous pleins. Ceux-là sont vides. Voilà. Super. C'est parti. Hop. Merde. En même temps, il fallait bien qu'elle disparaisse un jour, cette boîte. Voilà. C'est chose faite maintenant. Voilà. Allons remplir les jerrycans. Ça c'est vraiment cool. Et on va peut-être se refaire le plein aussi. On va se placer. Là, je crois que c'est à gauche le réservoir. Comme ça on devrait pouvoir refaire le plein. Directement. Alors. Ouais. Parce qu'à tous les coups, mes jerrycans. Ouais, il est pas dans l'inventaire principal. Donc ça marche pas. Voilà, ajouter du carburant. Allumer. Ah, ce doux bruit. Prendre du carburant. On va se remplir les jerrycans. Ah, le doux bruit du générateur. On adore. Ça c'est cool. Il n'y aura plus qu'à en prendre un pour chez nous. Et on va se retrouver avec de l'électricité, de la lumière, un frigo qui marche. Ça va être génial. Ça va être au top. Il m'en reste un, je crois. Ah, il en reste encore un autre. Transfère ça là. Sinon il va être lourd comme une mule. Voilà. Et prendre du carburant. Un petit dernier pour la route. Voilà. On va refaire le plein de ça. Il faut que je l'éteigne avant. Ajouter du carburant. Voilà. Normalement, on doit pouvoir faire le plein. Remplir avec la pompe. Hop là. Voilà. On se fait le plein à la pompe direct. Ça, c'est bon. Ça, c'est caviar. Et on va se re-remplir celui-là. Et niveau essence, on est bien. Tranquillement.
C'est trop bien de pouvoir réactiver la pompe, je trouve. Je trouve ça génial. Voilà. Bon, du coup, ça fait un petit peu survie plus simple, hein, mais... Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Yes! Est-ce qu'on retourne tout de suite chercher un autre générateur? Je pense que ouais, hein. Pendant qu'on est là. Il est plein? Ouais. C'est ouf. Hein. Allez, c'est parti. En avant. On va chercher un dernier générateur. Et comme ça, on sera full électricité. C'est un rampant. Ah lui, je suis sûr qu'il va nous suivre jusqu'au bout. On va rentrer dedans. Voilà. Allez, j'ai plus de couteau. Voilà. On vient par là. Eh hey, mais celui-là, il est maudit, hein, je vous le dis. Hein. C'est là où on a eu l'alarme. Et c'est là où ils vont tous à chaque fois. Il est maudit celui-là. Allez, viens là, toi. Ouais. Garde-moi ça. Alors. Puis en même temps, on va vérifier si on n'a pas raté un truc ou deux. Ah, il y avait une pelle encore. Où est-ce qu'il est celui qui a grogné? Ok. Je suis encore lourd. Hein. Bon, rapidement, parce que bon, on est venu chercher un générateur. La nuit commence à tomber. Alors, on verra plus tard. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y en a pas. Non plus. Ha. Copain qui arrive. Allez, venez les copines. Toi, reste par terre. Ça m'arrangera. Alors là, si je me souviens bien, dans cela, j'avais dû péter les murs à l'intérieur. À l'intérieur. Donc il faut que je rentre genre par celui-là et j'ai tout pété l'intérieur je crois. Ah bah tiens. Il y a John Morris qui est là. J'avais bien qu'il nous suivrait jusqu'au bout lui. Alors, là il n'y a rien. Rien. Non plus. Non. Non. Et non. Super. Super, super. Bon. On va regarder dans les suivants. Alors, non. Non plus. Ça se trouve, il n'y en avait pas. Je m'en souviens plus. Ça me paraît bien pleine celle-là, non? Pas plus que ça. Les vieilles gaufres que j'avais laissées ou je sais pas quoi. Les pancakes. Hop. Merde, pourquoi il m'a pris une hache?
Ça c'est malin. Hop. Donc là non. Non plus. C'est terrible. Il n'y en avait pas. J'ai fait tout ça pour rien. Oh là là. Terrible nouvelle. Il m'avait semblé que j'en avais vu un dans les épisodes d'avant, mais j'ai peut-être rêvé. Ah si, il y en a un là. Yes. Et encore un là. Ah voilà. Je savais bien qu'il y en avait. Ça me paraissait bizarre aussi. Ok. Bon bah prendre celui-là. Hein. Non, c'est prendre comme ça. Mais du coup, mon. Ah oui, mon sac est plein. Donc, je vais peser 3 tonnes. Oh le con, je fais de la merde encore. Ouais, je fais de la merde. Oh là là. Je vais me péter le dos. Bon, allez. On va essayer de ramener ça. Cours. Oh le con. J'ai plus de place dans la bagnole, c'est terrible. Bon, on va ramener ça. Encore un épisode un petit peu mou de la bite. Mais bon. C'est un mal pour un bien, encore une fois. Ouais. Ce que je vais faire après. En fait, j'aimerais bien faire un plancher, mais je sais pas où je vais en fait. Je suis en train de parler, tout ça, et je laisse ma voiture là-bas, et je suis complètement à la rue. Hein. Ah, il est essoufflé. Force de courir comme un teubé. Bon, moi, il va perdre du poids, comme ça, c'est bien. Bon. Ouais, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être faire un plancher au niveau du garage. Le problème, c'est qu'il va être dégueulasse. Il va être trop moche vu que je suis deux en menuiserie. Blessure anecdotique. Tiens, mange ça. Je veux pas être bien nourri, hein. Ah, c'est... Voilà. Histoire que ça remonte un peu ma vie. Ouais, donc je vais peut-être faire un plancher, faire des... Je vais peut-être faire les murs, en fait. Parce que les cadres de murs, ça... Enfin, ça a pas d'aspect, on va dire. Donc peut-être que je vais essayer de prendre des points comme ça. Ah, mais j'ai pas la menuiserie avancée. Ça, c'est ultra relou. Parce que là, j'ai deux points que je peux me faire facilement, mais après, dès que je vais arriver au... enfin, dans tout ce qui est avancé, hein, si j'ai pas le bouquin, ça va être terrible. Sachant que j'ai visité West Point, peut-être qu'il faut que... Je vais peut-être regarder l'épisode où j'étais à Muldrow, voir si j'ai pas raté un bouquin avancé. Ça m'évitera d'y aller pour rien. Je vais regarder ça sur mes épisodes. Je vais faire ça comme ça, et si on trouve pas, il faudra qu'on aille à Rosewood ou un truc comme ça. Hein. J'allais dire que je vais courir, mais je vais pas courir. Ah, il est lent. Allez, Bobby. Allez. On va tout de suite le poser parce que là, ça va pas du tout. Voilà. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Dans le coin là, ça me paraît bien. Il est où? Là. Voilà, dans le petit coin là. Ouais, je suis lourd parce qu'il me faut ça. Hop. Hop.
Carotte. Voilà. Un peu de bonne nutrition. Histoire que ça remonte. Allez, on va fermer la porte. Avant que les zombies ne rentrent. Voilà. On va mettre du carburant dans le générateur. Donc déjà, on va le brancher. Ensuite, un jerrycan là. Tac. Hop. Ajouter du carburant. Hop. 80% en fait. Un plein, c'est 80%. D'accord. Enfin, un jerrycan, c'est 80%. Voilà. On voit bien un peu ton jerrycan qui traîne. Et le vide, on va le mettre un peu à l'écart. Voilà. Ça, on le saura. Allez, c'est parti. Allumé. Ah. Ça, je pense que l'ampoule est morte. Oh, nia. Il marche le frigo? Ah ouais, ça commence à devenir bleu. Génial. Ça, c'est bon, ça. Bah super. Je sais pas si on peut congeler les bocaux. Je vais essayer. Ce serait cool de pouvoir congeler les bocaux. Bon, à part que c'est en verre. Donc c'est peut-être pas très logique, mais sinon on devra pouvoir. Merde. Ah. Bah c'est bien, il commence à être fatigué, donc génial. Ah, c'est cool. D'avoir l'électricité, c'est trop bien. On l'entend bien le générateur quand même. J'ai mis les trucs par terre, ouais, c'est un sac. Ok. Bon. Ça marche. Allez. On va dormir là, on va s'arrêter là. Et prochain épisode, bah, on va voir ce qu'on va faire. Je m'éparpille un petit peu, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va y arriver. Oula, il y a eu un coup de feu. C'est vrai que le générateur, c'est trop trop cool. Ça fait trop plaise. Ah. Alors, est-ce que ça a congelé? Ouais, ils sont congelés. Oh, bah, cool. Génial. Comme ça, on est sûr que ça va se garder super longtemps. Les carottes là, on les finira en priorité. Et vu qu'on a 12 carottes là, on se fera peut-être des pièges à lapin. Je sais pas où c'est que je vais les mettre, mais j'aimerais bien essayer ça. Ok, bah merci d'avoir suivi ce petit épisode. Un épisode un petit peu logistique. Prochain, bah on va essayer de construire un peu pour monter la menuiserie. Il faut absolument que je la monte. Il faudrait que je monte l'électricité et la mécanique parce qu'il y a une bagnole que j'aimerais bien récupérer. Et puis voilà. Bon, bah à la prochaine. Salut tout le monde!